fleuve de Baugé, il est situé sur le domaine de Bordes, sur la commune de Baugé en Anjou. Le golfe a été créé, ouvert en 1995. C'est un golfe relativement vallonné, avec une spécificité. Ce qui fait sa réputation, c'est la qualité des greens. Quand on arrive au niveau de l'accueil, on est dans une grande bâtisse qui était des anciennes écuries du château qui était sur le site à l'époque. Sur le parcours, on est plutôt, on va dire, dans un cadre plutôt boisé, avec du relief et des plans d'eau, quelques trous à l'allée et sur les trous signature 13, 14, 15 au retour. Le trou numéro 13, c'est un par 3 qui fait des boules blanches 170 mètres tout en descente, avec en fond, en arrière-plan, un plan d'eau et toute une forêt derrière. Donc en fait, on a l'impression que le green est entouré d'une forêt et du plan d'eau. Le trou numéro 14, c'est un par 4 qui fait plus de 400 mètres des blanches, avec obstacle d'eau à gauche et à droite qui borde le fairway et un petit cours d'eau qui borde tout la droite au bord du green quand on arrive au niveau du green. 15, c'est un par 5, il y a deux options, c'est soit on tente d'attaquer le green en deux en survolant 180 mètres d'eau parce que toute la partie gauche c'est de l'eau et puis le green est entouré d'eau également, ou alors on joue en sécurité avec en jouant la partie droite du fairway étroite et puis un coup d'approche pour rejoindre le green. Ou plutôt jouer stratégique, il y a des trous qui sont ouverts qui permettent d'attaquer et d'autres trous où il faut jouer la sécurité avec un long fer ou un bois de parcours au départ pour assurer les mises en jeu.